le chef de l'opposition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je ressens aujourd'hui, comme beaucoup de gens dans cette pièce, un certain sentiment de déjà-vu, puisqu'il y a un an, presque jour pour jour, notre regretté chef Jack Layton se levait pour prendre la parole dans cette Chambre dans des circonstances quasiment identiques. Il le faisait afin de s'opposer à la loi spéciale que ce gouvernement déposait et qui visait à obliger les travailleurs en lock-out, important de retenir qu'ils étaient en lock-out, de Post Canada à retourner au travail. Ce qui est important de retenir quand je mentionne le lock-out, c'est parce que c'est ce gouvernement lui-même qui les avait mis en lock-out. Donc, dans le jargon de la négociation collective et du droit du travail, il y a un mot pour ça. C'est un mot qui fait partie du langage ordinaire, mais qui en fait a un sens spécifique en matière de relations de travail, c'est la question de mauvaise foi. Et il y a rarement eu un exemple aussi flagrant de mauvaise foi de la part d'un gouvernement que celui-là. N'oublions pas, le gouvernement regarde des travailleurs chez Post Canada, ils étaient en train de travailler, le gouvernement les met en lock-out, les empêche de travailler, se tourne d'abord et dit « Ah, mais nom de Dieu, ils ne travaillent plus ces gens-là, qu'est-ce qu'on va faire? » Ça prend une loi spéciale pour forcer leur retour au travail. Et voilà qu'on était embarqué dans un exercice qui est une illustration d'une tendance lourde des conservateurs depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, de bafouer des droits collectifs, de s'attaquer aux travailleurs, d'utiliser tous les moyens à sa disposition majoritaire pour envoyer un signal clair aux employeurs cette fois-ci. Le signal, c'est que c'est barre ouverte sur les droits des travailleurs. Laissez-vous pas faire. Les conventions collectives, la Cour suprême, les droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne, pour un autre jour, tout ça. Nous, on est là pour imposer notre nouvelle loi et ordre. C'est barre ouverte pour les patrons. Voilà le message des conservateurs, Madame la Présidente. Après Post Canada, bien sûr, il y a eu Air Canada. Ils n'avaient plus même besoin de dégainer. La réaction était si immédiate, ils étaient en train de gagner leur pari. Aujourd'hui, c'est le Canadien Pacifique. Donc, ce gouvernement a imposé 3 lois de retour au travail au cours de cette seule session parlementaire. 3 lois spéciales adoptées en catastrophe en moins de 12 mois. Comparons maintenant cela à ce qui s'est passé au cours des dernières années et vous allez comprendre la différence et le message qu'ils essaient d'envoyer. Il y a eu seulement, pendant toutes les années 90, il y a eu seulement un total de 9 lois de retour au travail. Pendant toutes les années 80, rappelons que les conservateurs étaient largement au pouvoir aux années 80, il y a eu seulement 6 lois de retour au travail. Donc, vous voyez la disproportion totale. Ils sont rendus à 3 lois en 12 mois. Comme mon ami et collègue, le leader parlementaire de l'opposition officielle vient de le dire, ça fait au-delà de 20 fois maintenant qu'ils imposent un bâillon. Ils utilisent une guillotine pour enlever le droit des parlementaires de parler sur des choses aussi importantes que le budget. Voilà la tendance lourde de museler, de bâillonner, de faire taire les élus du peuple ici dans cette Chambre, Madame la Présidente. Aujourd'hui, c'est bien plus que le conflit canadien-pacifique qui est en cause. Oui, il y a eu celui d'Air Canada. Oui, il y a eu celui de Post Canada. Mais cela tient à un élément déterminant de la démarche conservatrice qui est d'apaiser les conditions de vie des Canadiens à tous les égards. Example after example since the On en a un exemple après l'autre, après l'accession des conservateurs au pouvoir. On revoit à la baisse le pouvoir de vie des Canadiens, les conditions de vie des Canadiens. C'est la première génération qui va gagner moins que la précédente. Au cours des dernières années, les éboluments des personnes, 20% les plus riches de notre société ont progressé, mais le reste de la population a vu son pouvoir d'achat diminuer. C'est une tendance lourde, une que l'on constate, et il y a toute une série d'actions du gouvernement, l'attaque à l'encontre des droits de la
à la notion collective, droits garantis par la charte, en sont un exemple. Certains choix ont été effectués au fil des années, et sont traduits par les pressions auxquelles maintenant ils réagissent en procédant à des coupures. Prenez l'assurance emploi. 30% de réduction d'emploi, 2 heures de travail, vous êtes contraint de prendre n'importe quel emploi, sinon vous perdez votre droit aux prestations de l'assurance emploi, même si vous y avez cotisé et si votre employeur y a cotisé, même si c'est un droit. Vous vous souviendrez qu'en 2009, les conservateurs ont verrouillé une porte qu'avait déjà fermée le libéraux. Les libéraux s'étaient servis dans la caisse de l'assurance-emploi et on y voit, en intégrant la caisse de l'assurance-emploi, 50 milliards de dollars dans les revenus généraux du gouvernement. Or, qui avait contribué à cette caisse de l'assurance-emploi? Les employeurs et les employés pour compenser, pour avoir de l'argent de réserve quand il y avait des variations dans l'économie. Tous les employeurs devaient y contribuer pour tous les employés. Et en vidant la caisse de l'assurance-emploi, les libéraux ont créé un espace fiscal de 50 milliards de dollars. Qu'en ont fait les conservateurs? Ils ont accordé de l'argent aux sociétés les plus riches. Les conservateurs n'aiment pas qu'on parle des sociétés les plus riches, mais dans la pratique, les sociétés qui ne gagnaient pas d'argent n'ont pas bénéficié d'une réduction d'impôts parce qu'ils n'en gagnaient pas d'argent. Donc, les conservateurs se sont servis de cet argent qui était là pour aider les employés en cas de chômage, a été donné à des plus grosses sociétés et aux banques. C'est ce qu'ont fait les conservateurs et les libéraux. C'est pourquoi les néo-démocrates interviennent aujourd'hui. Ils sont en train de déséquilibrer l'économie qu'on a bâtie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des pays comme la Norvège qui, comme nous, sont très riches en ressources, mais ils ont appris à pallier aux défis que cela représente. Nous, on n'a pas cette sagesse-là. Développement débris des ressources naturelles sans appliquer le principe de base de pollueur-payeur est un résultat qui est en train de nous déséquilibrer l'économie qu'on avait bâtie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il fut un temps où les Canadiens de Langley jusqu'au St. John's pouvaient compter sur un bon emploi, sur un salaire juste pour soutenir une famille. Mais ils pouvaient compter sur une pension qui leur permettrait de prendre une retraite digne et sur un système d'assurance-emploi justement accessible. Mais non. Lors d'une conférence dans les Alpes suisses avec des milliardaires, il fallait que notre premier ministre décide d'épater la galerie et de montrer que lui aussi allait se bomber le torse et donner une leçon de morale au moins bien nantis, et leur apprendre que même s'ils avaient travaillé toute leur vie dans le secteur de la construction, même s'ils avaient travaillé dur dans une usine, ils ne travaillaient pas assez fort à son goût parce qu'il allait ajouter 2 ans à leur vie de travail, leur soutirer 12 000 $ de leur poche parce que selon lui, ils n'étaient pas assez productifs. Par le même fait, il retirait ses emplois du marché en enlevant des possibilités d'emploi à la jeune génération, une jeune génération qui est déjà en train de payer la plus lourde dette écologique, économique et sociale de l'histoire. De nos jours, les jeunes qui font leurs études de premier cycle au Canada empruntent en moyenne 30 000 $ pour un bac universitaire. Quand est-ce qu'un jeune couple qui doit 60 000 $ au début de leur carrière est censé s'acheter une maison? Mais quand on vide la capacité économique du gouvernement d'aider à l'éducation postsecondaire comme il le faisait auparavant, voilà le résultat. Il crée la condition, il le monte du doigt, exactement comme le lockout des travailleurs de Post Canada. Il crée la situation, il dit, ben, on ne peut plus aider, il n'y a plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent? Ils l'ont donné à des sociétés qui ne créent pas d'emplois. La Banque royale n'a pas créé d'emplois l'année dernière. Sauf que l'année dernière, les banques à charte canadiennes ont fait 30 milliards de profits, ils ont pris 15 milliards en bonnie pour leur cadre. Voilà ce qu'ils ont fait avec cet argent-là. Ils n'ont pas créé d'emplois. Nous, au moins, on a une vision de dire, si on a un espace fiscal disponible, on va le
dirigés vers les entreprises en fonction de leur création d'emplois. Voilà. C'est ça qu'un gouvernement est censé faire. Ce gouvernement essaie de dire aux Canadiens que nous devons accepter moins, que nous devrions accepter des salaires plus bas, de moins bonnes pensions. Ils essaient de créer pour les employeurs un bassin de main-d'œuvre bonassé. Le ministre du Travail, en réponse à une question qui a parlé de travailleurs pour McDonald's. C'est pas une exagération de la part de l'opposition. C'est ce qu'ils ont dit. L'un des ministres responsables des finances a dit oui, bien sûr. Si un enseignant cherche un emploi à Terre-Neuve, il y a des emplois dans les mines. C'est ça leur philosophie. C'est l'argent qui appartient aux travailleurs. Ils pensent qu'ils appartiennent à McDonald's. Et crée un système pour les employeurs et évacue les droits des employés. Et ce projet de loi spécial force les travailleurs à retourner au travail au mépris du processus de négociation collective. C'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ils minent les droits des travailleurs. Ils réduisent les salaires. C'est ça le programme conservateur. Et c'est important de savoir qu'ils ne s'attaquent pas juste à un syndicat ou à un groupe de travailleurs, mais à tous les Canadiens. Sous leur politique, nous devenons la première génération qui va laisser moins à ses enfants que ce que nous avons hérité de nos parents. Les néo-démocrates ne permettront pas que cela se produise. La négociation collective est garantie par la Charte et par la Cour suprême. C'est dans l'intérêt de tous les Canadiens, de meilleurs salaires, la sécurité au travail, une semaine de travail de 40 heures, une fin de semaine à passer avec la famille, la liste continue, mais les conservateurs sont déterminés à démanteler tout cela. Ils minent ce droit et c'est sans précédent au Canada. À Air Canada, le gouvernement n'a même pas attendu que la grève commence, n'a pas permis une négociation. La ministre a dit qu'elle va intervenir dans tout litige qui, d'après elle, nuit à l'économie. La dernière fois que j'ai vérifié, j'ai constaté que tous les Canadiens qui travaillent contribuent à l'économie. Donc, la ministre dit pas de négociation collective est à l'abri des conservateurs. C'est déséquilibré, c'est contraire à la charte et ça va prendre du temps. Prendre parti, ça n'aide personne, ça va un message terrible que c'est la norme maintenant. Et rien n'encourage les partis à négocier de bonne foi. C'est certes que le gouvernement va intervenir. Un employeur qui sait que le gouvernement va intervenir, quel intérêt a-t-il à négocier de bonne foi et donc à se croiser les bras, dire vous allez être forcé de retourner au travail, peu nous importe, le gouvernement non plus, mais ils sont prêts à faire ce que demande n'importe quel employeur. Et c'est contre ça que nous nous dirigeons aujourd'hui. Le gouvernement est sur une pente savonneuse et personne ne sera traité de manière équitable. Les Canadiens ont dépendu des droits de négociation collective depuis des décennies. Le gouvernement doit respecter les droits des générations futures, avoir les mêmes avantages que les générations passées. Ce que nous allons laisser à nos enfants nous définit. La classe moyenne a du mal à joindre les deux bouts, des disparités dans les emplois. Nous sommes un des pays les plus riches du pays, mais un des pays qui a la plus grande disparité entre les plus riches et les plus pauvres. Entre les mieux nantis de notre société et les plus défavorisés, le gouffre au Canada est parmi les plus élevés au monde et ça ne fait que s'accentuer depuis que les conservateurs sont arrivés au pouvoir. On n'a pas vu ça depuis la dépression des années 20. La sécurité que les Canadiens ont déjà sentie commence à disparaître et ce n'est pas du hasard, c'est voulu. Regardons ce qui se passe au Saguenay. Rio Tinto Alcan, parce que quand ils ont acheté la société Alcan, ils n'ont pas seulement acheté des usines. Rio Tinto, une société étrangère, est devenue le propriétaire du lit de la rivière Saguenay. Pensons-y, là. Il faut que ça soit au bénéfice net du Canada, c'est écrit dans la loi, quand il y a une telle
reprise de contrôle d'une société canadienne par les étrangers. Petite parenthèse, avant, il y avait un déclenchement d'une analyse à un certain niveau. Maintenant, il le porte à $1 milliard. Donc, des choses qui étaient analysées auparavant ne seront même plus. Mais regardons ce qu'ils ont fait, même quand ils ont fait des analyses. Ils ont coché « Bénéfice net du Canada pour la reprise d'Alcan par Rio Tinto ». Qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités en Europe responsables de la concurrence ont dit « Mais telle partie qui fait des métaux super spécialisés, vous allez vous en départir ». Pas de problème, ils le vendent à un Américain. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les Américains l'ont flippé à une entreprise aux Indes, une grande multinationale indienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit « C'est pas très bien là-bas, on va le déménager aux États ». Les emplois perdus du jour au lendemain. Aucune protection des travailleurs. C'est ça l'attitude des conservateurs. Rio Tinto est encore en... regardez bien ce qui se passe là. Ils sont encore en lockout chez Rio Tinto, à Alma. Ils en ont cure. Pour eux autres, c'est comme un avertissement. Les barbares arrivent, ils démolissent le village, ils laissent les gens à l'entrée du village. Ils disent « Regardez bien le modèle qui s'en vient, vous avez intérêt à vous ranger ». C'est ça qu'ils sont en train de faire, de démanteler, de détruire des décennies, des générations de protection qui aident à toute la société en démantelant tout notre système de protection des droits sociaux et des droits des travailleurs. Voyons quel est l'avantage net d'après les conservateurs. On vient de parler de Rio Tinto Alcan, allemand, dans la région du Saguenay, où les travailleurs sont en lockout depuis plusieurs mois. C'est l'intérêt des conservateurs. Inco, les conservateurs approuvés en 2006, la reprise accompagnée par la Brésilienne Vale. En 2009, Vale propose de mettre fin au régime à prestations de retraite déterminées pour les nouveaux employeurs. Puis, les membres du SMUA vont en grève et ça va durer un mois. C'est ça l'avenir des travailleurs sous les conservateurs. Falconbridge, compagnie suisse Xstrata, acquiert Falconbridge en 2006. L'entente de transfert prévoit qu'il n'y aura aucune mise à pied durant 3 ans. 2009, Xstrata met 700 travailleurs à pied à Sudbury. 700 familles perdent leur gagne-pain parce qu'ils ne comprennent pas qu'un avantage net, c'est pas juste pour les actionnaires, mais pour les familles qui y travaillent. Maintenant, voici un des meilleurs exemples de l'approche conservatrice. Je vais commencer par parler de ce qui est arrivé pendant les élections générales de 2016. D'après le premier ministre est allé visiter la belle compagnie Electromotive Diesel à London. Il l'a présenté comme un modèle. En fait, comme il n'y a rien à leur épreuve, ils ont accordé un allègement fiscal de 5 millions de dollars sans condition, sans obliger de créer d'emplois. Voilà ce qu'il a fait pendant la campagne. Et la compagnie Caterpillar américaine a acheté Electromotive Diesel en 2010. Qu'est-il arrivé par la suite en janvier 2012? 450 employés de la compagnie sont mis en lockout. Pourquoi? Parce que la compagnie était... Parce qu'ils étaient déraisonnables, on leur demandait simplement d'accepter une baisse de salaire de 50%. Après tout, on a demandé, la compagnie avait reçu 5 millions de dollars et on leur demandait d'accepter seulement une baisse de 50%. En février 2012, il y a quelques mois, l'usine ferme ses portes. Les activités sont parties ailleurs. Quel avantage net pour le Canada? Le gouvernement a annoncé la semaine dernière l'intention de fixer 1 milliard de dollars. Le montant justifie un examen en cas de tentative d'acquisition d'entreprises canadiennes. D'autres travailleurs doivent se battre pour toucher leur pension, une pension à laquelle ils ont contribué en prévision de leur retraite. Dire qu'ils ne toucheraient pas aux pensions. Ça, c'est une de mes fourberies préférées de la part de ce gouvernement. Le premier ministre a dit on ne toucherait pas aux pensions. Quand ils ont ajouté 2 ans de travail et soutiré 12 000 $ le ministre des Finances s'est levé et a dit wow, we said we wouldn't touch. Il a dit, eh bien, nous avions dit que nous ne toucherions pas aux pensions. On n'a pas dit qu'on ne toucherait pas à la sécurité de la vieillesse, comme si pour la plupart des Canadiens, ce n'était pas la même chose. C'est leur revenu de retraite. Une taxe sans précédent sur les travailleurs, sur la classe moyenne. C'est ça que laisseront derrière les conservateurs. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour nous y opposer.
questions et observations? L'honorable député de Cape Breton Council. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je sais que le chef de l'opposition officielle connaît bien le bilan des conservateurs, le nombre de lois de retour au travail présentant cette Chambre. Et ce que nous avons vu de la part du gouvernement dans leurs interventions aujourd'hui, c'est qu'ils essaient de semer la confusion entre les lois déposées en 1995 et les mesures qu'ils prennent aujourd'hui avec cette loi de retour au travail et celles qu'ils ont présentées au cours des derniers mois. Et Madame la Présidente, en 1995, lorsque le VACNCP était en grève, le système ferroviaire était paralysé, le gouvernement libéral a déposé une loi de retour au travail et nous savons que le NPD a appuyé cette loi de retour au travail. Et donc, j'aimerais demander au chef de l'opposition qui nous explique quelle est la différence maintenant et entre la situation d'aujourd'hui et celle de 1995. L'honorable chef de l'opposition, eh bien, je vais me permettre de dire ceci, Madame la Présidente. Jamais auparavant, nous n'avons vu un gouvernement élaborer et mener une telle attaque concertée contre les droits des travailleurs. C'est sans précédent. Notre vision, c'est de construire un Canada où personne n'est abandonné, où on laisse plus, pas moins, aux générations futures, où nous parlons de ce que nous pouvons faire plutôt que de ce que nous ne pouvons pas faire. C'est ce que font les conservateurs. C'est négatif. Nous ne devrions pas faire ceci. Nous devrions réduire la tâche du gouvernement. Nous n'avons pas les moyens de faire cela. Ils éliminent certains des programmes, des services, des idées, des institutions extraordinaires et qui sont le reflet de notre bonté fondamentale comme peuple. Et c'est pourquoi nous disons que le Parti néo-démocrate va défendre ses politiques, c'est notre vision. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre des Transports. Madame la Présidente, le chef de l'opposition attaque sans cesse les entreprises canadiennes et leur rentabilité en même temps. Il se met la main sur le cœur et prétend vouloir protéger les pensions des travailleurs qui ont investi dans ces entreprises. Il a parlé de Poste Canada. Le régime de pension de Poste Canada est investi dans 5 grandes banques et sociétés pétrolières. Donc, les rendements qui sont versés, les prestations qui vont aux postiers syndiqués dépendent de la rentabilité des banques et des sociétés pétrolières. Lorsqu'il essaie de dresser les travailleurs contre les employés, il doit se rappeler que souvent, ce sont les mêmes les travailleurs par leur fonds de pension, sont propriétaires d'entreprises. Les augmentations d'impôts qu'ils proposent pour ces entreprises vont non seulement détruire des emplois, mais aussi le rendement pour les pensions qu'ils prétendent vouloir protéger. Comment peut-il concilier cette contradiction mathématique évidente? Eh bien, ça va surprendre mon collègue de m'entendre dire que, pour une fois, je suis d'accord avec quelque chose que disent les conservateurs. Le premier ministre dit qu'il est injuste que seuls les syndiqués aient une pension garantie. Nous sommes d'accord. Tout le monde devrait avoir un régime de pension à prestations garanties. Donc, au lieu de faire comme lui, c'est-à-dire de chercher le plus faible dénominateur commun, plutôt que de chercher ce qui n'est pas possible, notre vision, c'est d'offrir le meilleur gouvernement que possible, de mettre en place des programmes pour aider les gens pendant leur retraite et les aider à vivre dans la dignité. Non seulement ils le méritent après une vie de dur travail, mais parce que c'est bon pour l'économie. Questions et observations. Merci, Madame la Présidente. Ça me fait plaisir de me lever aujourd'hui pour poser une question suite au
merveilleux discours qui a dressé un portrait de la population, un portrait de la situation qui est arrivée là-bas. Le monde est pris du prix d'Outremont, chef de position officielle. Je pense qu'on a fait ici la démonstration, dans cette chambre, avec ce discours-là, de la trajectoire et de la direction dans laquelle vont les conservateurs qui mettent des pressions à la baisse sur les conditions de travail, les conditions de vie des familles québécoises canadiennes. Et ça, pour nous, au NPD, c'est inacceptable. Et je voudrais demander aux députés d'Outremont, est-ce que les conservateurs, selon lui, est-ce que les conservateurs sont en train de changer le cadre général des négociations collectives? Parce que avec Post Canada, avec Air Canada à deux reprises, et maintenant avec le Canadien Pacifique, est-ce qu'on est en train de attaquer la libre négociation, qui est quelque chose qui est protégé par la Charte des droits, puis que nous, au NPD, on veut défendre? Ce n'est pas une vue de l'esprit, Madame la Présidente. C'est un droit garanti par la Charte et appliqué par la Cour suprême d'une manière constante au fil des ans. Je vais sortir du cadre des relations de travail pour un instant et parler d'un sujet connexe en termes du comportement du gouvernement. On se souvient tous du travail extraordinaire qui a été livré par ma collègue, la chef adjointe du NPD, à Vancouver pour un site d'injection sécuritaire. Les conservateurs ne voulaient rien savoir pour des raisons idéologiques. Ils ont dit que c'est un non-sens, on ne peut pas avoir ça. La Cour suprême, dans une décision inédite dans l'histoire de la jurisprudence canadienne, a s'amoncé le gouvernement conservateur et lui a dit qu'il ne pouvait pas baser ses décisions sur une idéologie, sur de la superstition ou sur des a priori conservatrices. Non, il devait les baser sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, les faits. Les preuves. Voilà la différence. Question d'observation honorable. Député de Burlington. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais enchaîner sur la question du Parti libéral qui m'a semblé excellente, mais on n'a pas eu de réponse. J'aimerais savoir, et je pense que la plupart des Canadiens voudraient savoir, s'ils ont appuyé la loi de retour au travail dans le passé pour la même société. Quand est-ce que le chef d'opposition croit-il que le gouvernement doit agir dans l'intérêt de tous les Canadiens? Est-ce qu'il faut attendre une semaine, deux semaines, six mois d'inaction dans le domaine des services ferroviaires? Quand est-ce que le NPD agirait dans l'intérêt des Canadiens? Eh bien, la différence de point de vue entre le député qui vient de parler et nous, c'est que nous croyons que c'est dans l'intérêt de tous les Canadiens d'avoir un système de négociation collective, de droit à la négociation collective. C'est dans l'intérêt de tous. Et la différence entre leur gouvernement et toute autre situation dans l'histoire du Canada, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui envoie un message tellement clair aux employeurs, ne faites pas d'efforts, ne discutez pas. Avant même le début de la grève à Air Canada, ils ont adopté une loi sociale. Avant même que les discussions puissent commencer. Donc, quel intérêt y a-t-il pour un employeur de négocier de bonne foi? Il n'y en a pas. À l'ordre, s'il vous plaît. L'honorable chef de l'opposition a la parole. Et il aimerait pouvoir répondre à la question. Je ne vais pas entendre exactement ce qu'ils ont dit, mais j'ai considéré qu'ils m'encourageaient à continuer. Cela ne s'est jamais produit auparavant dans l'histoire du Canada. Que le Parlement du Canada soit utilisé comme un outil de gestion. Nous ne sommes pas un outil de gestion. Nous sommes ici pour défendre l'intérêt de tous les Canadiens, y compris les droits des travailleurs. Question et observation. Une dernière question très rapide. L'honorable député de Dartmouth, Cold Harbour. 30 secondes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis heureux de poser une question rapide au chef de l'opposition. J'aimerais lui demander ce qu'il pense que cela dit du gouvernement, qu'il est tellement prêt à enlever les droits des travailleurs, les droits des aînés, les droits à un environnement propre et protégé, le droit à des pêches durables. Qu'est-ce que cela dit d'un gouvernement qui est prêt à piétiner les droits de tous les Canadiens? Une réponse 30 secondes. Eh bien, c'est une question de vision. La note est une vision d'un avenir durable. On respecte les droits des générations futures.
Eux, leur vision, c'est de faire moins. Ils enlèvent toujours des choses. Il y a 50 ans, dans ce pays, on a décidé qu'aucune famille ne devait à choisir entre faire soigner leur enfant malade et acheter de la nourriture pour la famille. Dans une réunion avec le ministre des Finances, on a retiré 30 milliards de dollars des services de santé. Ils sont en train de démanteler les droits sociaux, les droits des travailleurs, et nous allons défendre ces droits, nous allons défendre l'avenir. Reprise du débat.